Vous êtes sur RTL. Et puis on le disait, Christophe Castaner, à l'intérieur, c'est terminé. Ce fidèle d'Emmanuel Macron va désormais retrouver son fief de Fort-Calclier dans les Alpes de Haute-Provence. Et c'est là que vous vous trouvez pour RTL, Étienne Baudu. Oui, Christophe Castaner a disait en 2017 qu'il avait besoin de revenir ici, qu'il était indispensable de garder les pieds sur terre. Alors c'est vrai, dès qu'il le pouvait, il venait passer un week-end dans sa maison sur les hauteurs de Fort-Calquier. Mais ces derniers mois, ses amis le voyaient moins souvent. Et René, finalement, n'est pas mécontent qu'il quitte la place Beauvau. Moi, je pense qu'il peut quitter son ministère parce qu'il n'est pas Jojo comme ministère. C'est le plus dur. Hein. On le verra sûrement plus souvent, hein, ça d'accord. Moi, c'est volontiers dit que je le revois, parce que j'étais bien ami avec lui. Alors, en tant que député, et même s'il prend la tête du groupe La République En Marche à l'Assemblée, comme beaucoup le laissent entendre, il sera effectivement plus présent ici. Peut-être même ira-t-il rendre visite à Laure, une commerçante. Elle regrette la gestion des gilets jaunes. Et oui, jusqu'ici, cette crise le poursuit. Nous, les commerçants, on a été quand même assez touchés. Donc, j'aurais bien aimé qu'il passe au moins nous voir dans les commerces. On fait quand même partie de sa ville. Il était maire de Fort-Calquier. Je pense que c'était la moindre des choses. Voilà, la mairie qui, elle, est passée aux mains d'un candidat LR. Une pointe de regret peut-être pour Christophe Castaner, qui a occupé ce poste pendant 16 ans, de 2001 à 2017. Étienne Baudu, en direct de Fort-Calquier, dans les Alpes de Haute-Provence, pour RTL.